Et bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode sur Prison Architect. J'espère que vous allez bien et content de vous retrouver, prêt à mettre en application les différents conseils que vous avez pu me donner sur ce début de série. Et donc, alors plusieurs choses intéressantes à voir, hein, bien évidemment. Donc, vous avez été nombreux à me dire que forcément, comment dirais-je, au niveau des objectifs, l'idéal est de vendre régulièrement sa prison pour avoir, c'est ici, estimation. Voilà. Ici, plus la prison grossit, plus les choses se passent bien et plus vous pourrez la vendre cher. Et grâce à cet apport d'argent, après, vous pourrez faire une prison de plus en plus grosse, bien évidemment. Après, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de partir sur quelque chose de neuf, entre guillemets, partir de quelque chose de zéro. Et c'est pour ce faire que je suis parti de cette manière-là. Mais on verra encore une fois, hein, on peut toujours après décliner la série en saison, si vraiment ça vous plaît. Donc on verra tout ça. Toujours est-il que dans l'immédiat, donc il faudrait que je finisse le bloc ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est à 12. Donc on va essayer de finir ce bloc-là pour avoir le reste de la subvention qui est ici. Là, on a juste à attendre que la thune tombe. Donc on va pas s'embêter. Et là, j'ai déjà quelque chose comme quoi les employés sont épuisés. Et il se trouve qu'il y a une des subventions qui consiste à faire une salle de repos pour les salariés. Donc on va voir ça. Ici, au niveau du courant, on n'est pas trop mal, même si ça reste juste. Donc, ce que l'on va faire tout de suite, on va agrandir ici et faire les quelques cellules supplémentaires afin d'avoir quelque chose de bien. 1, 2, voilà. Donc, on va faire ça. Donc, je vais faire quelque chose qui va être 1, 2, 3, qui va être le symétrique de ce qu'il y a ici en face. Hein. On va pas s'embêter. Et on peut aller jusqu'ici. Et il va falloir que je fasse des cellules d'isolement aussi. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que pour l'instant, j'ai toujours... Et là, je suis aligné avec l'entrée. Parfait. On va augmenter un petit peu la vitesse, ça serait bien. Et j'ai toujours quelqu'un qui est en attente dans mes prisonniers. Il est... Voilà, il est ici et lui, il doit aller directement en cellule d'isolement. Donc j'ai plutôt intérêt à faire très attention à ça. Donc je pense qu'on va très rapidement ici... agrandir et faire des cellules d'isolement mélangées avec les cellules normales. Je pense pas que ça pose problème, j'espère pas en tout cas. Toujours est-il que là je devrais avoir un petit boost de thunes, un petit boost de thunes supplémentaire, et celui-ci va faire du bien aussi, hein. Celui-ci va faire du bien. Donc hop, c'est parti. Ici je suis aligné, yes, nickel. Donc là, ça va être mes cellules d'isolement. Alors normalement les cellules d'isolement sont aménagées beaucoup plus light que des cellules normales. La taille, je crois que la taille minimale est la même qu'une cellule, à part que dedans, en fait, vous mettez rien. Il n'y a pas de lit, voilà, c'est de l'isolement. Donc, on va juste faire un petit bloc comme ça pour l'instant. Au pire, on en rajoutera après. Hein. Et bien évidemment, après, l'objectif, ça serait ça va être en tout cas de pouvoir rajouter des prisonniers supplémentaires. Plus vous avez des prisonniers, et plus ça va vous rapporter de l'argent. Il suffit de voir ici. Impôt sur la société, jour sans incident, non. Nourriture, salaire. Dotation pour prisonnier. Je crois que c'est ce truc-là ici. Donc pour l'instant, c'est pas non plus super gras. On reste en positif, hein. Mais voilà, assez rapidement, il faut qu'on s'occupe de ça tout de même. Donc, on va faire cellule. Ah oui, autre chose aussi que j'ai bien pris en compte sur ce que vous m'aviez dit. C'était concernant la cellule ici. Voilà, ici... la cellule d'admission, comme quoi c'était pas forcément nécessaire, mais je vous avouerai que j'ai un petit peu pour l'instant je joue un petit peu le jeu des subventions, c'est à dire qu'en fait dites-vous que les subventions c'est un petit peu le jeu vous met un peu sur des rails en fait, hein, ça, c'est des conseils, hein, quelque part, et ça vous permet de savoir un peu plus ou moins dans quel ordre faire les choses. Donc ouais, pour l'instant je m'embête pas trop, et je suis un petit peu ce truc-là, mais je suis d'accord avec vous, hein. Concernant les subventions, logiquement, c'est pas quelque chose... ouais, c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. On est... Clairement, on est d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Ensuite, mes chiottes sont ici. Hop. Donc on va tout de suite s'occuper... Alors, ce que je vais faire, c'est comme j'ai une vanne ici... Je vais mettre ça là, comme ça s'il y a un gros problème d'inondation ou quoi que ce soit. Merci d'ailleurs à celui qui m'a donné l'explication des valves. Et en cas d'inondation, on peut très facilement réagir, couper l'eau et intervenir bien tranquillement. Donc merci à toi pour les petits conseils. Franchement, ça fait plaisir. Alors on va augmenter. Et ici, voilà, isolement. Donc
Tout ça va être des cellules d'isolement pour l'instant. J'essaie de faire ça assez rapidement pour que, en gros, Billy Boy qui est en attente puisse aller directement dans sa cellule. Et d'ailleurs, il est plus ici et je suis toujours à 8 sur 14 et ça ne clignote plus en rouge. Donc on est bon. On est bon, on est nickel, on sait qu'il va pouvoir aller dans sa cellule. Bah tiens, il est là. Allez, au trou! Bang! Nickel. Autre truc important, j'ai accès du coup au déploiement. Tiens d'ailleurs, voilà, on va voir pour relancer quelque chose assez rapidement. Donc c'est ça que j'ai fait, déploiement. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, hein. L'entretien, ça va devenir critique. Ça va devenir critique, il faudrait que je le fasse assez rapidement. Juridique, je dirais qu'il n'y a pas le feu. Santé, ça va devenir très important de le faire rapidement. Donc l'entretien, c'est pas très cher. Donc on va faire ça. Et j'aimerais rapidement débloquer les patrouilles aussi. Ça, c'est assez important. Très bien. Donc là, tu me dis qu'il n'y a pas de flotte. Non, ils sont en train d'installer les tuyaux, c'est pour ça. Et bien évidemment, n'oublions pas les tuyaux d'eau chaude. Alors, le tuyau, il est bien rouge sur tout du long. Du coup, je sais pas trop parce que, vous savez, je m'étais posé la question si à force de parcourir de la distance, si l'eau ne se refroidissait pas, entre guillemets. Et ouais, si j'ai quand même l'impression qu'ici c'est bien rouge foncé, et là c'est quand même beaucoup plus clair. Donc c'est peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait. Bon, toujours est-il que on va voir. On laisse comme ça. Dans le pire des cas, je peux toujours refaire une boucle ici, mais non, c'est très con parce que ça va parcourir la même distance. Ouais, bon, c'est pas trop grave. Hein. Pour l'instant, on va les laisser construire ça, et puis on verra après. Ça y est, ah bah ça y est, je suis à 29 000. Donc, ok. La thune a été injectée. On va juste remettre sur une vitesse normale. Le temps de regarder. Hop là, subvention. Voilà, sur la nouvelle subvention qu'on va pouvoir prendre. Alors, bloc B, il y a le temps. Augmenté à 50. L'avantage, c'est que ce bloc ici, cet unique bloc, va me permettre de rajouter des prisonniers. Donc, je serai pas à 50, mais je serai pas loin. Sachant qu'au pire, si je montais à 50, je peux toujours faire des dormitories. Hein. Donc là, on peut se dire que toute cette partie ici, ce sera des cellules individuelles. Et ici, on fait des lits superposés pour augmenter la capacité des prisonniers. Ce qui me paraît être une bonne idée. Santé et bien-être. Le problème, c'est que j'ai pas encore fait les recherches concernant l'infirmerie. Entretien, c'est en cours. Mais c'est ça qu'il va falloir que je fasse. Parce que là, voilà. Non, c'est pas si. Il y en a un qui est bientôt libéré. Où est-ce qu'il me disait que mes gars. Voilà. 5 employés sont épuisés. Donc, on va prendre ça. Construire une salle du personnel. Disposer d'au moins 5 gardiens. Et sans s'assurer qu'aucun des employés n'est épuisé. Ok. On va prendre ça. On va pas avoir d'acompte, par contre. Malheureusement, hein, mais. On va pas avoir d'acompte. Mais c'est pas trop grave. Autre chose que je voudrais regarder rapidement, vu que je voulais absolument débloquer ça le plus rapidement possible, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. On a 6 gardiens et je voudrais les affecter très rapidement. C'est-à-dire que on va en mettre un dans la cellule d'attente. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et donc là je vais en recruter deux supplémentaires. Voilà. Donc on engage quelques dépenses, hein, sauf que cette partie-là, le déploiement est très très importante. Ça veut dire que du coup, quand mes gars vont bosser, ils vont avoir besoin d'amener des éléments supplémentaires. Et ben j'ai systématiquement ici un maton qui fait un petit peu, bah la police, hein, c'est son but, lol. Deux ici, sachant qu'un troisième sera peut-être pas du luxe quand je vais agrandir. Un ici dans la salle d'attente, un dans l'admission. Et bah 3 dans la cour, c'est l'espace le plus important. Donc ça me paraît pas trop mal. Et où est-ce qu'on en est? Donc cellule d'isolement. Ah, ils sont en train de finir d'installer la flotte. Ok, bon, on va les laisser finir d'installer l'eau. Où est-ce qu'ils en sont? Alors vous voyez, si, effectivement, ça se voit bien. Donc là, l'eau froide va être reliée. Donc il n'y a pas de souci avec l'eau froide, il n'y a pas de perdition. Et c'est lui qui arrive d'ailleurs, il est juste à côté. Voilà, vas-y, tu peux y aller. Bon bref, par contre l'eau chaude, vous voyez qu'ici elle est vraiment chaude et là au fur et à mesure, hop 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 hop, je suis même pas sûr qu'ici on ait de l'eau assez chaude, pour être honnête. Donc dans le pire des cas, je peux toujours prolonger mes tuyaux d'eau froide ici plus loin et puis rajouter un ballon d'eau chaude juste là pour le relier ici. Et c'est peut-être ce que je vais devoir faire à terme. Hein. Autre connerie, j'ai pas d'eau jusqu'à ces chiottes là, c'est-à-dire que mes tuyaux ici sont trop longs. Ouais, donc je vais peut-être devoir assez rapidement. Ouais. On va faire ça assez rapidement en fin de compte. Je voulais faire ça plus tard. Sauf que là, je vais en avoir besoin.
Je vais en avoir besoin. Donc on va faire tac, tac. Pourquoi il y a de la flotte partout? J'ai mis des grilles, non? Est-ce qu'il y a des grilles partout? Ouais, il y a des grilles partout. Ouais, fuck. Bon, ok. Pas grave. Pour l'instant, on va pas s'embêter. La petite valve qui va bien juste ici. Et le comment, chaudière, c'est 500. Et il faut que ce soit relié au courant. Ça commence à faire pas mal de frais. Hein. Au niveau de l'électricité, j'en suis où? Bon, il va falloir que je rachète un condensateur. Toujours est-il que... On va faire ça. On va mettre la chaudière ici. Et ce que l'on va faire, c'est que... Bah, peu importe où il passe, on va faire passer ça ici. Voilà, eau chaude. On reverra ça une fois qu'ils auront fini. On ira rejeter un œil après. Mais logiquement, ce bloc-là, du coup, devrait être propre. Hein. Je devrais avoir de l'eau froide partout. Et... Attends, je réfléchis... J'ai relié en petit tuyau. Oui, si, si, j'ai relié en petit tuyau. Donc là, je devrais avoir de l'eau froide partout et de l'eau chaude correctement. Parfait, nice. Alors, c'est parti, attaquons du coup. Alors, donc c'est la salle du personnel qu'il faut que je fasse, on est d'accord. Construire une salle du personnel. Eh ben, allons-y. J'ai un petit spot ici, donc bon, on va la faire là, tout simplement. Alors, construire en briques. Alors déjà, de base, une salle du personnel, c'est quoi comme... comme surface, sachant que bon, on va 4x4, on va faire du plus grand quand même, hein, on va anticiper un petit peu. Il me faut une entrée par contre. Donc si je décale ça ici, ça me fait 6. Ouais, c'est pas trop grave, on peut toujours mettre une porte en décalé, ça c'est pas la mort. Il va falloir que j'installe des petites loupiottes aussi, hein, assez rapidement je pense. Et je voudrais quand même qu'il y ait un chemin. Voilà, on va faire ça, 9. Et la porte du personnel, on va la décaler un tout petit peu. Hop, et la petite dalle en pierre qui va bien. On va regarder vite fait, je parlais de loupiotte, combien ça coûte? Ça coûte 30 de base, donc on va en mettre une de chaque. Normalement ici, j'ai pas besoin de mettre de portail. Hein. Vous savez, je vous en avais parlé là, les petits portiques électriques qui coûtent 1000, qui sont très chers d'ailleurs, ces fucking trucs là. Mais pour l'instant... Pour l'instant, on verra ça après. Ok, donc effectivement, j'en suis à l'étape où il me faut du courant. Donc on va faire ça. Et ça. Et ici, ouais, c'est bien ce que je me disais. On va tout de suite investir dans un condensateur supplémentaire. Ça coûte 1000, mais pour l'instant, au niveau des finances, je trouve qu'on est quand même pas trop trop mal. Ça se passe plutôt bien. Les bureaux ici, j'ai déjà anticipé pour pouvoir agrandir un petit peu, parce qu'il va me falloir après le bureau du contremaître. Et qui d'autre d'ailleurs? Non. Le bureau du contremaître... Et c'est tout en fait, hein. Il manque juste de la place pour un bureau, donc on pourra faire une aile ici, sachant que le chef pour l'instant il est là. Ouais, le chef on le met pas dans le poste de sécurité, ouais, ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. Alors ici ça donne quoi? Donc là l'eau, on est bien, au niveau de l'eau froide, et il me manque juste... Voilà, il me manque juste le réseau électrique, et après on sera bon. Et dès que l'eau chaude ici sera reliée, normalement on va voir, mais l'intensité de la couleur devrait réaugmenter. Tiens, vas-y, allez plus vite quand même. Ah ouais, non, il faut qu'ils aillent à perpète les mecs. Bon. Ouais, vous savez quoi? C'est pas grave, laissons les faire. Ok, hop. Ok, alors on va attaquer tout de suite la salle du personnel. Il vous faut du courant. Ouais, pas de souci. Tiens, regarde, bim, en plein milieu. Alors, pièce, salle du personnel. Voilà, et au minimum, canapé, distributeur de boissons. Alors, on va voir si on va peut-être mettre un petit peu plus. Table de billard, je trouve que c'est classe. Par contre, ce qui est bizarre, ce qui fait bizarre, c'est le mur là, parce qu'en fait, c'est fermé par. Ah, je suis pas fan quand même. Ouais, je suis pas fan. On va virer les murs ici. J'aime pas. On a vraiment l'impression que les mecs, ici, ils peuvent passer. Tu vois. Donc, ouais, non, non, non. Pourtant, c'est fermé. Hein. C'est fermé, mais visuellement, c'est trop déstabilisant. J'aime pas trop. Ok. Donc, on a dit qu'on va faire les gentils. On va leur mettre, voilà, une bonne table de billard parce qu'on est cool. Et ensuite, ouais, un canapé ici. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans le... Ouais, je crois que c'est ça le bon sens. Hein. C'est pas facile de voir les sens, je trouve, généralement, pour ces trucs-là. Hop, un distributeur de boissons. Oh, par contre, c'est 500 le distributeur. Ça picote un peu les fesses. Allez, deux, histoire qu'on soit tranquille.
Voilà. Donc normalement, on a enfin une salle du personnel. Donc ça, c'est parfait. Disposer d'au moins 5 gardiens sans tâches assignées. D'accord. Donc logiquement, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui ont des tâches assignées. Ouais, donc effectivement, il me faut beaucoup plus de gardiens. Alors le problème, c'est qu'en termes de masse salariale, ça va me faire mal au derrière. J'ai 7 prisonniers, l'un qui a été libéré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis con, c'est marqué ici. Yep. Je peux en avoir 16 au maximum. GG. Alors, on va faire une admission. Nombre total de prisonniers, 7. Ok. Fais péter. Le compteur ne se met pas là? Je sais pas. Il faut attendre un petit peu, peut-être que ça se refresh. Mais remplir. Ah, si je fais remplir, ça fait ça. Nombre total, ça fait ça. D'accord. Tous ceux qui sont disponibles, nope. 55 000, ça fait rêver, mais non. Nombre par jour non plus. Donc ouais, on va dire remplir, voilà, remplir jusqu'à 16, c'est ça l'option. Ok, nickel. Et on aura du coup une petite injection de 4100. Ça va faire plaisir. Et du coup, c'est le moment. Tiou! Tiou! Ok, je suis à 20%, 40, 60, 80, boum! Voilà, donc la prochaine fois que je vais assigner un flic supplémentaire dans une de mes zones, il faudra que je pense à recruter tout de suite, je pense. Ok, alors, pour le reste, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Les finances sont plus que très très bonnes. Et on n'a plus du tout aucune subvention. Donc là-dessus, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? 5 familles attendent de rendre visite. D'accord. Donc droit de visite, en gros ce serait ça. Et là j'ai un acompte de 5 000. Construire un parloir, ajouter au moins 3 tables de parloir, construire une salle commune, ajouter une table de billard, ajouter au moins 2 télévisions et construire au moins 5 cabines téléphoniques. Alors l'avantage c'est que la cour est déjà faite, donc on peut y mettre les cabines téléphoniques. Donc on va mettre ça, et je pense que l'entretien, il va falloir que j'attaque ça assez rapidement, mais les deux me paraissent importants parce qu'il me faut absolument une infirmerie. Et l'entretien de la prison, c'est méga important, donc on va débloquer tout de suite ces deux-là. Alors, juste pause 30 secondes, droit de visite, donc construire, ajouter, construire, ajouter, construire, pas de souci. Voilà, ici, là, par contre, déverrouiller entretien intérieur dans administration. Donc déverrouiller entretien intérieur, c'est ici, ça me coûte 2000, c'est pas grave. La prison sera un peu plus propre, parce que c'est le bordel. Déverrouiller entretien extérieur. Hop, entretien extérieur. Pourquoi est-ce qu'il y a un point d'exclamation comme ça en mode fuck you? Ah! Requis contre maître. Ah! Il va falloir que j'agrandisse mon bureau. C'est pas grave, on a lancé, on verra après. Voilà. Engager un contremaître nécessite un bureau, engager au moins 2 concierges et engager un jardinier. Très bien. Donc, tout ça, c'est fait. On va commencer par l'entretien. Parce qu'il va falloir qu'ici je me fasse un petit bureau supplémentaire pour notre ami le contremaître. Et donc ce que l'on va faire, on va rajouter. Alors attends, avant de rajouter une porte, ici, je pourrais la mettre que ici. Bon, c'est pas trop trop grave. Donc, bing! Voilà, la petite porte qui va bien. Et ensuite, combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 4 par 5. Très bien. Donc là, ici, 1, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut que je rajoute l'épaisseur de mur. Et merde, ça n'a pas plu. Ah! Merde. On recommence. 1, 2, 3, 4, mur. 1, 2, 3, 4, 5, mur. Voilà. Comme ceci. J'espère qu'ils vont vite enlever le sac poubelle. Et à mon avis, ici, j'ai intérêt à changer ça avec du mur, parce que vous allez voir que le grillage, le fucking grillage, va faire office de mur. Et ça, j'aime pas trop. Bon, c'est pas trop grave. Ok. Donc, nos tôlards, ils arrivent dans 2 heures. C'est parfait. Ça va nous réinjecter un peu de thunes. Je pense que, sur tout ce qui est cantine, etc., on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les accueillir tranquillement. Il fallait. Ouais, cabine téléphonique. On va faire ça tout de suite. Hop, elles sont là. Et par contre, la cour, j'arrive pas à voir comment elle est délimitée. Ah, ça c'est galère.
Ah. C'est vrai que j'ai pas mis de grillage, c'est une cour ouverte. D'accord. D'accord. Donc à la limite. Attends. Hop. J'ai un et un de chaque côté. Ok, très bien. Donc cabine téléphonique. Donc en gros j'ai un et un. Et ici on est sur les abords de la cour. Ça se voit un tout petit peu, mais pas des masses, hein. Donc il me faut construire au moins 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici j'ai de la place pour faire passer le chemin ou faire le tour. On va pas faire plus que ça. Pour l'instant, il leur faut 5 cabines téléphoniques. On va pas faire du rab à ce niveau-là. Hein. No way. Ok, donc là, oui, il me faut le fucking contremaître. Ok, donc 1, 2, 3, 4, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on est bon. Est-ce qu'il y a moyen, les amis, s'il vous plaît, de fermer ça? Voilà, comme ceci. Très bien. Ensuite, je veux un bureau. Il est là. Parfait, bureau, chaise, classeur, on y va. Donc, tac, tac. Il va falloir que je voie assez rapidement pour... comment? Alors par contre, si je mets ça tout de suite, ça va les bloquer avec le mur. Il faut qu'ils fassent le mur en premier. Donc je vais les laisser faire le mur et j'ajoute ça après. Mais il va falloir que je fasse assez rapidement aussi la décoration du sol. Pour l'instant, c'est assez craignos. Et il faudrait que je m'occupe de la décoration. Et l'autre chose, que je rajoute des fenêtres aussi. Parce que pour l'instant, toutes les prisons, là, ici, il n'y a aucune fenêtre nulle part. Donc il faudrait que je vois si je peux les mettre au niveau du lit ici. Afin que, bah voilà, ce soit un minimum un peu plus sympa, on va dire, pour les prisonniers. Tiens, lui, il a trouvé un item. Très bien. 58 000, ça commence à devenir pas trop mal au niveau des finances. Je me tâte pour affecter ici un garde. On va attendre un tout petit peu, hein, mais je suis à plus 1100, ceci dit, c'est pas si mal que ça. Mais assez rapidement, je pense que ça peut être une bonne idée d'avoir un gardien ici d'affecté, comme ça, lui, il s'occupe vraiment de cette partie bureau, et il a un œil sur tout ça. Ça me paraît pas si mal. Allez, dépêche-toi, voilà, il suffit de poser un classeur, pas plus. Boum! Contremaître, le voilà, bureau du contremaître. Donc du coup, on a débloqué tout ça. Parfait! Écoutez, on n'est pas trop mal, hein. On a un petit bureau de plus. On a notre salle du personnel, ils ont leur petit téléphone, tout va bien. Ici, on a agrandi le bloc. Super. Les recherches sont en cours et il faudra après que j'engage au moins deux concierges et un jardinier. Ça va être assez facile à faire ça et assez rapide. Et oui, le parloir. Il faudrait qu'on construise un parloir. La question, c'est où est-ce que je vais mettre ce fucking parloir? Parce que ici, là, j'ai une porte. Donc il faut que ce soit accessible. Encore une fois, hein, tout ce qui est grillage, c'est temporaire. Hein, donc je vais pouvoir augmenter ça tranquillement. Le parloir, l'idéal, ce serait qu'il soit quand même proche de l'entrée de la prison. Hein. Ici, je voudrais un chemin pour tout ce qui est entrepôt. D'ailleurs, enfin, je le fasse assez rapidement. Mais un petit chemin ici avec l'entrepôt et la salle là. Vous savez quoi? On va commencer un petit peu à planifier les choses. Pour se rendre compte un petit peu mieux de ce qui nous attend entre guillemets. Donc si je fais ça avec un petit chemin tranquillou jusque là. Ok, c'est-à-dire que je pourrais repartir par là. Et ici j'ai 1, 2, 3, 4. C'est pas très grand, sauf que là, tout ce qui est clôture ici, je pourrais les décaler. Très bien. Ici j'ai 1, 2, 3, 4. Donc si j'enlève les murs, ça c'est pas assez grand ce truc-là. Bon bah tant pis, hein, il faut bien que j'ai un accès. Hein. Et là j'ai 1, 2, 3. 4, 5, 6, ça me fait 4 à l'intérieur. Ouais, ça m'inquiète un petit peu parce que il faut que je mette, il faut que je mette des 3 tables de parloir au minimum. Et les tables de parloir, où est-ce que vous êtes? Tables de parloir, elles sont là. Alors, on voit pas la taille de l'item, mais à mon avis, c'est mort, hein. Ça va être beaucoup trop grand pour pouvoir occuper cet espace ici. Hein. Donc, ouais. Pour l'instant, on va pas s'embêter. Et ce qu'il faudra que je fasse aussi rapidement, c'est une salle pour tout ce qui est propreté. Donc, ça va être la buanderie, si je dis pas de bêtises. Donc, l'entrepôt assez rapidement. Sécurité, parloir. Ah bah ça va, voilà, salle de nettoyage. Il faudra que je fasse ça vite fait. Par contre, salle de nettoyage, taille minimale 3 par 3. Donc, en soi, je pourrais la caler là. Écoutez, hein, on verra. On verra ça après.
Ok, donc là la cour je la vois bien quadrillée, donc ça me permet de d'y voir plus clair. Donc on va tout de suite à la limite. Hop! Ramener ça jusque là. Voilà, comme ceci, ça me permet d'y voir un peu plus clair. J'ai quelques petites lumières de disponibles en rab, donc le portail de sécurité sera là. Pipipi. On va mettre une ici. On va en mettre deux là. On va mettre ça là pour l'instant. C'est pas trop mal, je pense. Ok. Très très bien. Et puis à la limite, tout ça, c'est du peaufinage. Au pire, je le ferai entre deux épisodes, en toute honnêteté. On va pas s'embêter avec ça maintenant. Alors la cour, éventuellement, si je l'agrandis, je l'agrandirai vers la gauche, je pense. Donc on peut éventuellement voir pour faire notre salle de parloir à cet endroit-là. Je me tâte pour mettre un grillage tout autour de la cour. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si c'est peut-être mieux de faire un grillage autour de la cour, histoire d'avoir quand même un visu sur la délimitation du bordel. Parce que là, j'ai un peu du mal à voir les choses pour être honnête avec vous. Mais yep. On va se faire le parloir tout de suite. Et alors si je mets un grillage ici, c'est-à-dire que le parloir, il faut que je le commence ici au niveau du mur. Très bien, on va faire ça tout de suite. Alors le parloir, il faut qu'il soit tout de même assez grand. Donc on a dit la cour est là, j'ai mon grillage ici si je le mets, et j'aurai le mur ici, du parloir. L'idéal, ce serait d'avoir un parloir. Alors si je fais 5, c'est-à-dire qu'il me reste 3 à l'intérieur, c'est pas assez. Voilà, ça me paraît pas mal. 7 par 9, ça me paraît assez grand. Et en même temps, j'ai des doutes. Donc on va faire 7 par 11. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, on va faire porte de prison. Tu vas aller ici. Il l'a mise ou pas? Ah non, il y a l'arbre. Ah, fuck it. Non, c'est pas trop grave. Voilà, le petit chemin qui va bien. Comme ça, ici, je pourrais mettre un petit portail électrique pour être sûr que les mecs ils me ramènent pas des items pourris. Il va falloir que je investisse assez rapidement là-dedans, d'ailleurs. Parce que s'ils commencent à me ramener des objets illégaux, je peux vous dire que notre prison va vite partir en cacahuète. Hein. Il faut faire super attention à ça. Parce que c'est comme ça que vous vous retrouvez avec les différents prisonniers, avec différentes armes ou quoi que ce soit. Et je peux vous dire qu'après, ça sent pas très bon tout ça. Pour l'instant, on est à 16 sur 16 au niveau des prisonniers. Franchement, on est au taquet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on va attendre qu'il termine ça et on aura du coup notre parloir de terminé, ce qui fait plaisir. Et je pense que je vais affecter un gardien dans le parloir. Et puis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On aura bien avancé, hein. On aura fait nos cellules d'isolement, avancé un petit peu le bloc ici pour le terminer. On a fait notre salle du personnel, un bureau supplémentaire pour accueillir le contremaître et enfin la salle de parloir. Donc ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt bien. J'ai toujours du mal, parce que pourtant les icônes ont des codes couleurs, mais j'ai toujours un peu de mal avec ça. Le parloir, il est ici en jaune. Voilà, on y est. Et ici, table de parloir, cabine réservée aux visiteurs. Donc c'est l'un ou l'autre, sauf que dans mon objectif, je suis censé ajouter au moins 3 tables de parloir. Donc on va récupérer les tables de parloir, ce sont celles-ci. Et donc, hop, hop. Hop, hop. Ok, j'ai pas une marche qui est si grande que ça. Au final, j'en ai calé 4, donc c'est une de plus seulement par rapport à l'objectif. C'est pas non plus énorme. Bien évidemment, on va tirer le courant, on va accélérer un petit peu le temps pour terminer cette salle. Et alors lui, il est en train de se terminer, donc l'idéal c'est de rajouter rapidement. On va faire de la santé pour qu'on puisse s'attaquer au prochain épisode à l'infirmerie rapidement. Donc on va lancer ça. Et puis les chiens m'intéressent beaucoup aussi. Bon, il y a plein de choses encore une fois, il y a plein de choses à faire. Et la salle commune, bien évidemment, qu'il faut que je fasse assez rapidement. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez concernant la cour, si ce serait pas une bonne idée de rajouter du grillage partout. Et à la limite, je ferai l'entrée juste là, parce que j'ai un espace. Et puis ouais, ici là, juste ici là, clac, et là tout le tour, j'irai la petite lampe et tout le tour on fait un grillage et je pourrais agrandir au fur et à mesure. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Le courant, je suis pas trop mal, donc du coup ce qui va me rester à faire. 6 familles attendent de rendre visite, donc ça y est, ça va pouvoir partir. Ah oui, c'est ça que je voudrais faire. On va en affecter un ici tout de suite. Et on va en recruter un.
Voilà, comme ça c'est fait. Et donc le temps que la recherche se fasse pour les infirmières, la prochaine fois, on commencera du coup. Alors on fera la salle commune. On va commencer un petit peu à la décorer, etc. Et puis on va commencer aussi à s'occuper de la partie propreté. Comme ça, du coup, notre prison sera propre à l'intérieur, à l'extérieur, et on va commencer à avoir quelque chose qui a de la gueule, très clairement. Bref, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me donner vos conseils dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis bah moi, je vous laisse là. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde. À bientôt. Ciao ciao.